pas, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on se retrouve. Ouais, sérieusement, il a rien. Voilà, donc la dernière fois, on a protégé. On a évité l'opération cendre de s'exécuter sur Naboo. Et cette fois-ci, on joue Princesse Leia en guerre. Restez là, tu nous protèges. Ça nous laissera un peu de temps. Del, vous pouvez réparer le relais? J'ai été ingénieur sur les vaisseaux amiraux. Ça devrait être facile. Eh oui. Mettez-vous au travail, on vous couvre. À vos ordres. Bouclier! Genre, je voulais protéger tout le monde. Leila Organa de l'état de marche. Enfin, moi je l'ai remis en état. Elle, elle s'occupait des stormtroopers. On se dirige vers le deuxième relais, on reste en contact. Allez. Des renforts, ne baissez pas votre garde. Je devrais y arriver. Wouah, il voulait me venir au cax, PD. Moi je fais bien des petits choses. Oh la tristesse. Oh ouais, 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 doucement. Ah d'accord, on voit le, la progression. Et voilà, il est opérationnel. D'accord. On a mis une tourelle là-bas. C'est ça. Et tant qu'on n'aura pas rétabli le réseau, Tid ne pourra pas arrêter l'Empire. D'accord. Oh. Ah ça, ce vaisseau-là en multi, il est magnifique. Je l'ai essayé. Surtout si vous faites sur la mission de Yavin 4, oh, vous êtes dans le fond. Marcheur ennemi, j'ai besoin d'un bombardier sur ma position, vite! Affirmatif, Astès. Mettez-vous à couvert. Fort. Marcheur abattu. Ouais. Voilà pour lui. Ouais, marcheur les gars. Prêt pour contre-attaquer. Transport à l'approche. Donc, continuez à nous marquer. On a pratiquement réactivé un autre relais. Pratiquement? Ce truc est complètement sous l'eau. J'ai besoin de plus de temps. J'ai confiance en vous, Shrek. Ça fait plaisir à entendre. Voilà. C'est comme ça. J'aime bien les petites missions. Je veux un film nourri sur ces impériaux. Venez-nous au relais. Je peux traverser le jardin. C'est bon. C'est bon. À vous de jouer, Dave. Je m'en occupe. Princesse, mauvaise nouvelle. On est coincé par un bipode de surveillance. Et
on ne peut pas rejoindre votre position. Maintenez-le occupé et restez en vie. Vous ne serez en sûreté qu'une fois l'impulsion ionique lancée. Bien sûr, princesse. Caché derrière. Attendez. Oh, j'ai une bonne position hein. Attendez, ça devrait marcher. Oui. Eh mais en bas, genre le jeu je le trouve beau au niveau de l'eau. Ah, il y a un... Ha ha ha! C'est mon coup! C'est tout? Le relais est opérationnel. Bien sûr. Bien! Prochain endroit? Moi je garde tout le monde en ligne, c'est ça. C'est bon pour nous. Shreve, quel est votre statut? Le relais fonctionne. Voilà. Les forces impériales se dirigent vers le palais. Résistez aussi longtemps que possible. Parfait. Tous au palais. Del va entrer et déclencher une impulsion ionique. Oh, ça j'aime pas ces grenades. Précaution avant la guerre des clones pour préserver Naboo des invasions. Une impulsion ionique qui neutralisera toute menace autour du palais. Ça ne va pas griller nos armes. Ah, merci à la reine. Pas si on est dans le palais. Morte par Anakin. Ah non, mais... c'était une autre. Je sais plus, je sais jamais ce truc de... D'accord. Attirez leur attention. Ah, j'ai des alliés restants, putain. Casser les couilles, allez. Je sais pas ce qu'ils font ceux-là, mais c'est n'importe quoi. Ah, toute l'infanterie rebelle dans le secteur. Protégez en fait, le on palais. Refait la même chose qu'avec pendant la guerre des clans. Ceux qui ne savent pas, les Stormtroopers ne sont pas des robots. Les Stormtroopers ne sont pas des clones. Mais attends, là ils avancent un peu trop vite. Allez hop. Ah, je suis la reine maléfique. Ne les laissez pas monter. Tenez-les à distance des portes et continuez à tirer. Princesse, l'impulsion est bientôt prête. Tant mieux, parce qu'on a bientôt plus nulle part où s'abriter. Del, le moment me semble idéal. Je suis prêt, votre Altesse. Les soldats sont trop nombreux sur notre position. Ce marcheur est trop puissant. Lancement de la séquence de détonation. Allez. Entrez dans le palais. Ah bonjour. Ah. Oh comment j'ai esquivé le coup. Ah voilà enfin. Oh.
Ils sont là en mode merde, ça marche pas, putain. Oui, d'accord. Fuck. Ah. Oh. Non. Non, faut pas que ça lag la cinématique. Oh, ça va, ça continue pas, hein, ça garde bien en pause, c'est super génial. Mais là, ce sont fait niquer. Je crois bien qu'on a gagné. Ouais. Oh, bonjour, Votre Altesse. Vous avez fait du beau travail, mais je n'en attendais pas moins de la part de l'escouade Inferno. Donc, vous avez parlé au général Calrissian. Vous savez que vous avez causé beaucoup de tort à notre alliance. Et alors? C'est exact, Altesse. Et nous n'avons aucune excuse. Quand on vous regarde combattre, il est évident que vous ne fuyez pas que l'Empire. Tout cela vous importe beaucoup. Oui, c'est vrai. Nous avons combattu toute notre vie durant. Mais il nous a fallu bien trop longtemps pour comprendre qu'on luttait du mauvais côté. Ah. Cette guerre est loin d'être terminée. Nous aimerions lutter à vos côtés, si vous le voulez bien. Vous savez que grâce à vous, et à vos semblables, l'espoir peut triompher. C'est vrai. D'autant que c'est grâce à l'espoir que nous gagnerons. Bienvenue dans la Nouvelle République. Ah, la Nouvelle République. Qui est normalement, comme en fait, là ce que vous voyez c'est l'histoire canon. Non, l'histoire originale, pas canon. C'est en gros, c'est Legends, ça marche Legends en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Disney n'est pas content, parce que bah, ça suit pas l'histoire originale. Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Pour la Nouvelle République, en fait, elle contient d'anciens membres de l'Empire. Et là, en gros, le Nouvel Empire qui se fonde, c'est les ruines de l'Empire, un truc comme ça. Et donc, ouais, les ruines de l'Empire, en fait, ce sont ceux qui sont encore pour l'Empire, hein, donc l'opération. Oh, château de Maz. On le connaît celui-là. Hey Maz, serre-moi une autre partie Lansling. Pas tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Oh la barbe. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon Wookie? Chewie répare le faucon. Le communicateur longue portée a pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux. Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par moi. Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme? Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'en fais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Chewie. Je ne connais pas cet homme. Mais il est tard. Et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être assez bavarde. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout, tâche de ne pas l'oublier. Et bah voilà, on va s'arrêter là, hein, mission. Ah bah là, on jouera Han Solo. Donc bah voilà, on va s'arrêter là. On a bien défendu Naboo. Voilà, en refaisant la même tactique un peu à la guerre des clones. Mais bon, à la base, l'impulsion est triche, je pense que c'était juste pour niquer tous les robots, vu qu'à l'époque, c'était que des robots. Maintenant, c'est juste des soldats avec des armes.
En tout cas, je vous laisse, je vous remercie encore, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, je vais juste reprendre juste après, et je vous dis à de prochaines vidéos. Sur ce, bye bye!